Et salut les amis, c'est Valentin, on est de retour aujourd'hui pour d'autres nouveautés, d'autres news de Farming Simulator 22. Je ne pouvais pas attendre, je vous avais dit qu'on se retrouverait dans quelques temps, mais finalement c'est plus tôt que prévu, parce que il y a eu des grosses news et des bonnes news, surtout des bonnes news, et ça je suis très très heureux et je suis content de vous les présenter sur notre chaîne YouTube Moselle Game aujourd'hui. Notamment cette photo que vous pouvez voir ici, c'est tout simplement pour nous expliquer, pour nous expliquer tout simplement comme quoi on est de, ils sont de retour et ils sont de retour pour, avec un nouveau moteur graphique. Donc ils ont apporté des changements au graphisme, au cycle des saisons et au sorgho. Sorgho, qui est la nouvelle culture qui sera présente dans Farming Simulator 22. Tout simplement, ils ont écouté la communauté et la communauté a dit que c'était pas possible de jouer 12, de jouer avec 12 jours, c'est-à-dire 12 jours, c'est-à-dire un jour par mois, donc 12 jours dans l'année. Donc on avait 12 mois, on a 12 jours. Et en 12 jours, on a passé une année, quoi. Et ça, c'était pas acceptable pour la communauté. Et donc, du coup, ils ont décidé de changer. Ils ont décidé de changer et donc de modifier la durée saisonnière. Et donc, du coup, ils ont introduit, donc, à la place des 12 jours, ils ont introduit une séquence de 28 jours. Donc, 28 jours dans un mois. 28 jours dans un mois. Donc, on aura 28 jours pour un mois. Et il faudra passer donc 28 jours par mois. Donc ça va être cool. Donc on va pouvoir avoir plus de temps. Plus de temps pour faire pas mal de choses durant le cycle des saisons. Bien sûr, ce mode saison, il est désactivable. Bien sûr, il sera désactivable dans les options de jeu. Voilà. Donc ça, c'est la petite information qu'il nous montre. Et là, il nous montre donc une belle petite map. Je crois que c'est la map... ça doit être la map française, hein, sans doute, avec l'aqueduc derrière. Ça doit être la map française, justement, avec la neige. Donc là, on voit bien la neige sur la route. On voit pas trop la neige, donc est-ce qu'on va avoir plus de neige sur la route? Pour l'instant, je sais pas. Ou alors ça a été déneigé. En tout cas, bah, de toute façon, ils vont nous ramener la saleuse et l'appel, donc on va forcément devoir déblayer la route. Donc pour l'instant, à mon avis, ça a été déblayé. Là, on voit deux trois biches, deux biches là, qui sont bien cachées là, tac là, voilà. Donc ça c'est cool. Et puis donc du coup, ils nous ont dit modification donc non seulement dans le moteur des saisons, mais également dans le moteur graphique, parce qu'ils nous ont dit que les programmeurs actuellement se concentrent donc sur le mécanisme du gameplay et travaillent donc du côté du gameplay tout au long du développement. Les techniciens font la même chose de leur côté donc. Et ce qui signifie donc un graphisme qui évolue toujours entre l'affichage de la première capture d'écran ou de la bande-annonce de la sortie du jeu à celle-là maintenant. On peut voir la différence entre les deux là. Quand même, sur certaines textures hein, déjà. Et sur l'étendue du décor à l'arrière. Il y a quelques changements quand même qui se sont faits. Surtout, ils disent également sur l'occlusion ambiante de l'espace de l'écran SSAO pour créer donc des ombres plus naturelles. Donc là, on voit bien les ombres plus naturelles qu'elles ont l'air ici. Voilà. Donc des ombres plus naturelles, ce qui donne donc un environnement plus naturel. Et ils ont également modifié l'étalonnage des couleurs pour obtenir une sensation globale plus réaliste et atmosphérique. Une modification un peu des couleurs. Également qui a été faite. Et puis le sorgho ou Milo, c'est une culture qui est très importante dans les pays chauds, c'est ce qu'ils nous disent. Il est considéré comme un ajout de bienvenue par les joueurs américains, notamment. Et c'est une culture qui est prédestinée à être semée sur les trois cartes.
Ah non, même pas. Ils nous disent que c'est uniquement destiné à être semé sur la map US et la map Elm Creek. Mais pas. Ah, si, également sur la map méditerranéenne au Belluron, qui profite également de la disponibilité du sorgho. Ils nous disent justement que de ce sorgho, beaucoup de gens ont réclamé parce que le processus de récolte n'était pas tout à fait précis. En fait, on voyait dans une des captures d'écran, alors je ne l'ai pas, mais on voyait dans une capture d'écran comme quoi le sorgho était récolté à même le sol. Hein. Il y a ces quelques tiges comme ici. Et là, beaucoup d'internautes ont réagi, ont dit c'est pas possible. Le sorgho, c'est uniquement récoltable à hauteur. Au sommet, donc au sommet, juste au sommet, et donc laisse une grosse tige. C'est pour cela qu'en fait ils ont décidé de modifier, et donc maintenant on va récolter uniquement avec une grande tige. J'aurai une grande tige, mais on va récolter juste ce qui est au-dessus. Donc la coupe, elle sera différente pour le sorgho. Donc ça, c'est pas mal aussi. Ils nous ont pas montré de vidéo de photos là-dessus, ils nous ont seulement montré cette photo-là avec le sorgho sur une map, sur la map américaine. Mais ils n'ont pas montré la coupe, justement, comment ils ont fait. Mais normalement, ils coupent, du coup, on coupe juste la hauteur du fruit et le reste, on laisse. Donc, ça peut être pas mal. Autre nouveauté qui arrive avec les différentes fact sheets, je ne vais pas vous montrer les différentes fact sheets qui arrivent au fur et à mesure, tous les vendredis, bien sûr. Mais celle-là, il fallait que je vous la montre. C'est justement les pneus continentales qui arrivent dans Farming Simulator 22. Les pneus continentales. Avec différentes variétés de pneus continentales, hein, le Tractor 70, VF Tractor Master, le VF Combine Master et le Combine Master, voilà. Donc différentes parties de différents pneumatiques, pardon. Alors, excusez-moi, j'ai fait un peu le con. Je me suis servi à boire et servi un peu trop à boire. Voilà, bref. Donc du coup, les pneus continentaux qui arrivent donc dans Farming, il y aura bien sûr aussi les pneus Michelin, on le sait très bien. Ensuite, ils nous ont dévoilé. Alors, oui, on va passer au serre. Allez, on va passer au serre. Ils nous ont dévoilé donc les serres, la culture des légumes. Ils nous disent que justement, on a le temps de jardiner toute notre saison, toutes les saisons. Mais notamment en hiver où il n'y a pas grand chose à faire, où le sol est gelé à l'extérieur, et seules les serres permettent justement de cultiver et donc de faire d'avoir du travail pour l'hiver. Donc pendant les mois de neige, on peut faire pousser nos légumes avec des petites, moyennes ou grandes serres. On le voit ici, grande serre, moyenne serre. Petite serre. La lumière, ils nous disent en magnifiant la lumière du soleil et en protégeant les plantes des températures glaciales, vos serres peuvent être un atout essentiel pour votre compte bancaire. Oui, parce qu'en fait, justement, les serres vont augmenter le prix. Hein, on va pouvoir vendre. Et donc, ça va augmenter le prix. Donc, ça, c'est pas mal. Il suffit d'imaginer la vue de la laitue verte, revigorante, après avoir pelleté de la neige entre les arbres morts et les cultures fanées, juste pour découvrir l'asphalte. Jamais été aussi heureux de voir la laitue devant vous. Voilà. Donc en fait, il nous explique justement que c'est un travail à faire en plus, un supplément, mais c'est un peu une combinaison pour l'hiver. Quand il n'y a rien à faire à l'extérieur, on peut s'occuper de nos serres. Donc ça, c'est une bonne méthode d'occupation pour l'hiver. Et on voit ici, donc, dans ce screen, on a un Massey Ferguson 3707 avec une Joskin Aquatrans qu'on avait déjà dans Farming. Le tracteur, je sais pas, je connais pas forcément tous les tracteurs, donc je sais pas exactement si on l'avait celui-là. Et puis on voit ici pas mal de décors, hein, donc des serres. À l'arrière, on voit une petite coopérative. À l'arrière, on voit les fleurs. Donc l'herbe qui est reprise du DLC Alpine. Hein. On a des fleurs oranges aussi là.
Et puis les serres, donc là on voit notamment que c'est des tomates parce que ici voilà on a les palettes de tomates. Alors on voit qu'elles sont à l'extérieur, donc elles vont spawner à mon avis tout le long du bâtiment. Une fois qu'il y aura plus de place, je pense qu'elles vont s'arrêter. Je sais pas exactement comment ça va se passer, mais en tout cas on aura les palettes qui vont être spawnées à l'extérieur du bâtiment, ici, tout le long, comme on le verra. Et ici on voit qu'on peut leur donner de l'eau. Mais d'après une photo précédente, alors je ne l'ai pas non plus, il me semble. D'après une photo précédente, dans la photo des chaînes de production, on avait bien vu comme quoi, pour donner aux cerfs, la nourriture qu'il faut donner aux cerfs, et enfin, les ingrédients qu'il faut donner aux cerfs pour produire, bah, c'est justement de l'eau. Et c'est juste de l'eau. Alors, on avait toujours du fumier à leur donner, et maintenant, il n'y a plus que de l'eau. Donc ça, c'est un petit peu dommage, je trouve, de ne pas avoir rajouté de nouveau ce fameux fumier. Alors est-ce que c'est pour éviter de pénaliser parce que le fumier, quand on n'en a pas, ben on est embêté? Je sais pas, mais en tout cas, il n'y a plus de possibilité de mettre du fumier dans les serres. C'est uniquement de l'eau. Voilà. Donc je trouve ça un peu dommage. La serre ici, on voit que c'est de la laitue, hein, donc là on voit les barquettes de laitue, et là on voit encore une fois que c'est des fraises à l'arrière, là. On voit que c'est des fraises. On les voit pas bien, mais on sait que c'est des fraises parce que justement c'est les trois serres qu'on peut avoir. Et ils nous disent petites, moyennes et grandes. Donc on va pouvoir avoir des grandes serres de tomates, des petites des serres de tomates, moyennes serres de tomates, etc. pour la laitue. Et pour également les fraises. On voit une genre de mini éolienne ici. Donc peut-être qu'on va pouvoir poser aussi une éolienne. Donc ça c'est une des photos. Ensuite. On voit ici donc les fraises, donc là on voit les palettes de fraises, donc les fraises n'ont pas l'air très jolies dans les palettes, dans les caissettes, ça n'a pas l'air très très joli, c'est juste un spleen comme ça, j'ai pas l'impression que c'est bien abouti ça, c'est un peu dommage. Par contre, en revanche, les plants, ils sont magnifiques. Les plants sont vraiment magnifiques. Pardon. On voit vraiment les plants avec les fleurs jaunes blanches comme ça. Les vraies les fleurs de fraises quoi hein, sont magnifiques et on voit également dans la terre les fameuses pétales blanches des fleurs de fraises qui sont dans le sol. Donc ça fait vraiment joli. Donc le plan de fraises il est très très joli. En revanche, les fraises, c'est moche. Pas joli. Après là on voit seulement un plan de fraises, mais on voit pas les fraises accrochées au plan. Donc peut-être que les fraises accrochées au plan, ils sont plus jolis. À voir, ah, ça reste à voir. Sinon, on voit pas grand-chose, on voit juste que c'est bien lumineux à l'intérieur. Ici, on voit donc les plants de laitue, donc plants de laitue. Alors là, si on regarde un peu, ouais, bon, c'est bof. De loin, c'est joli, mais de près, c'est un peu bizarre. Un peu, ça fait un peu effet feuille et pas, c'est pas très modèle 3D, il est un peu bizarre. Et puis les tomates, donc voilà, bah oui, voilà. Voilà, donc les fraises, ça doit faire pareil, à mon avis. Donc on voit vraiment que c'est que un spleen. On voit que les tomates sont pas rondes, en fait, hein, juste toute plate, hein, comme une feuille, en fait. C'est juste une image, en fait. C'est une image qui est collée dessus, quoi. Hein, c'est comme une image, c'est pas très joli. Non, c'est pas très joli, j'aime pas. Et le plant en lui-même, il est bien, mais par contre, la tomate, non, c'est pas joli. Et puis on voit le système d'irrigation ici tout le long. Alors j'avais pas sur les autres. Ah si, il est aussi là. On le voit. Système d'irrigation automatique parce qu'on donne de l'eau dans la cuve à l'extérieur. Et dans le menu, donc, on va pouvoir voir toutes nos serres répertoriées. Donc là, on voit. Ouais, on voit le spleen des fraises. C'est pas magnifique. C'est vraiment pas magnifique. J'aime pas. J'aime pas trop. Par contre, les caissettes, elles sont jolies. Hein. Il n'y a pas à dire. Les caissettes sont bien jolies. C'est peut-être même les caissettes là. On va devoir les faire peut-être avec le bois, les planches de bois. Je ne sais pas exactement. En tout cas, c'est quand même assez joli ça. Et celle-là, justement, où ils nous disent justement d'ouvrir l'écran de la chaîne de production dans le menu. Et donc, on peut voir donc nos différentes serres qui seront répertoriées dedans. Et donc dans le menu, c'est ce menu-là, voilà. On voit donc production chaîne, tomatoes, laitue et les fraises. Pour les
large greenhouse, donc grande serre, petite, moyenne serre, petite serre. Voilà. Les différents trucs. On voit que la production, donc statue running, donc là il y a un statut de production ou non. À mon avis, c'est quand les palettes, elles sont. C'est complet à l'arrière, y a un arrêt de la production. Hein. Il nous montre combien ils produisent par minute et combien ça coûte par minute. Et on voit également qu'il faut donner de l'eau pour produire de la fraise. Donc là, on voit eau et puis ce que ça ressort. Eau et donc tomates, laitue et fraises. Voilà. Ils nous disent qu'on pourra stocker, vendre ou distribuer nos produits. Donc pour chaque produit qui pousse à l'intérieur de nos serres, vous pouvez définir manuellement le mode de sortie. Donc la serre stockera les marchandises en générant les palettes pleines de laitue de tomates et de fraises. Donc ça, c'est ce qui se passera. Ensuite, vous devez vous occuper manuellement pour les prendre. Vous pouvez également choisir de vendre automatiquement. Donc on peut également dire qu'ils vendent automatiquement sans avoir besoin de nous les vendre manuellement. Ou de les distribuer à une usine de production. On va pouvoir aussi également les ramener à une usine de production, comme la boulangerie pour les fraises, pour faire des gâteaux. Voilà. Donc ça, c'est ce que nous disent. Donc soit on fait une vente directe, ce qui était le cas avant dans les différents farming où on avait juste la serre et ça produisait automatiquement, ça nous ramenait automatiquement de l'argent. Maintenant, ça produit des palettes. Si on souhaite l'avoir en manuel et donc aller le vendre manuellement, ou ça produit des palettes si on souhaite le distribuer dans des chaînes de production telles que la boulangerie pour les fraises notamment. Donc ça c'est ce que nous disent au niveau des produits pour les serres. Voilà. Ensuite, on va regarder vite fait une belle petite vidéo. C'est justement, ça a été dévoilé hier, et c'est les animaux de la ferme qu'on va pouvoir voir maintenant ici. Alors je ne sais pas vous, mais moi je trouve ça magnifique. Magnifique, 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 magnifique. Je trouve ça vraiment magnifique et on va revoir ensemble la vidéo. Donc cette fois-ci sans le son, ça serait bien. On va revoir la vidéo ensemble et là on voit donc notamment une femme à cheval. Donc une femme à cheval. On voit qu'on est à peu près, on est sur la map française là. Donc on voit un biogaz ici. On voit notre ferme avec nos différents enclos avec les différents animaux, des champs de culture à gauche à droite, une petite montgolfière, une montgolfière ici, pardon. L'herbe de la map alpine, hein, on le voit, hein, c'est joli hein, l'herbe. La belle herbe qu'ils ont rajoutée dans le DLC alpine qu'il y avait dans le 19. On voit la vache, et oui, les vaches. Et on voit notamment une vache qui court ici, si vous pouvez vite fait le voir. Voilà, elle est en train de se déplacer rapidement. Donc ça, c'est nouveau aussi dans Farming 22. Ça sera les animaux qui se déplaceront rapidement et surtout les animaux qui se coucheront. Regardez, la vache qui couchait, on l'avait pas encore dans Farming. Et maintenant, on voit les animaux qui se couchent. Donc ça, c'est super. Et on a notamment la vache qui est bien, bien, bien faite. Parce que si vous regardez ici, on va le voir après sur les photos, mais regardez ce décor comme il est bien fait. Cette vache, comme elle est bien faite, on voit bien les poils. On voit bien les poils ici, là. On voit les dents. C'est magnifique. Voilà, là, on voit notre petite stabulation. On voit la femme à cheval à l'arrière. On voit la vache qui se couche, là. C'est pas mal.
Et une nouveauté, c'est ça, hein, c'est justement les robots Lely. Les robots Lely, donc là, on voit qu'ils préparent automatiquement avec un grappin, automatiquement le mélange, hein, la ration totale mélangée avec l'herbe, donc le foin, pardon, la paille et l'ensilage, produit du RTM, ration totale mélangée. Alors, est-ce que ça va être automatique avec le robot? Je ne sais pas exactement, mais en tout cas, elle le met dans le robot là. Le grappin le met dans le robot là et le robot va automatiquement ramener et nourrir les animaux. Et ça, c'est magnifique. C'est une tâche en moins à faire. Bien sûr, je pense que cette stabulation par rapport à la première qu'on voit ici, celle-là, les plus petites, elle n'a pas l'automatisation avec les robots. Mais par contre, celle-là, elle a les robots. Celle-là, elle a les robots. Et je pense que celle-là coûtera beaucoup plus cher, cette stabulation, pardon. Et ce sera plutôt par la suite, hein, pas au début de notre carrière, mais au bout d'un moment de la carrière, qu'on aura l'argent pour se payer cette stabulation. Parce que au début de la carrière, il faut savoir qu'on n'a pas beaucoup d'argent et que forcément, on n'a pas des robots, on n'a pas l'argent pour avoir des robots. Donc on aura toujours nos mélangeuses qu'il faudra acheter nous-mêmes. Et on voit également des robots de traite, Lely, à l'arrière. Qui sont en nombre de 3 quand même, il y en a pas mal. Donc est-ce qu'on va voir vraiment les vaches se mettre à l'intérieur et être très prêt? Je sais pas, ça reste à voir. Là on voit encore une fois la femme qui court avec le cheval. Donc le cheval, il n'y a pas beaucoup de nouvelles activités, hein. C'est toujours courir avec les chevaux, les nourrir. Bon, les nourrir, on les voit pas, on voit rien de pour nourrir et tout ça, mais on voit la femme dans la vidéo qui court tout le temps avec le cheval, qui se promène un peu partout. Là, on voit une autre chose, c'est top du top. C'est justement les cochons avec les lumières chauffantes, les lampes chauffantes rouges. Et puis ce décor au sol, hein, ce parallax occlusion mapping qui rend le sol beaucoup plus joli. Et où on voit vraiment les traces de pas des cochons. Et ça, c'est vraiment joli. Je trouve ça vraiment joli. Petit inconvénient, c'est la paille qui est ici, hein. On voit que c'est un spleen. Et on voit notamment que le spleen, voilà, on voit que la patte du cochon, elle est dans le spleen là. Donc, ça, c'est un peu dommage. Cette paille qui est pas très jolie, qui aurait dû être plus modélisée en 3D plutôt que comme ça. Mais en tout cas, c'est pas mal. Je trouve c'est pas mal. Les cochons aussi, ils ont été bien refaits. Regardez comme ils ont bien été refaits. On les voit vraiment beaucoup plus joli, plus détaillé dans les yeux, dans le groin, dans les pattes, etc. C'est vraiment bien modélisé. Là, on voit vraiment cette texture de paille qui est pas jolie, qui est un peu dégueulasse, je trouve. Pas très jolie en 3D. Et là, on voit donc la femme avec le cheval et au niveau de l'enclos des cochons. Et on voit aussi le cochon qui est couché ici, le cochon qui se balade ici. C'est vraiment joli. Elle a une. C'est pas une nouveauté, hein. C'était déjà dans Farming Simulator 19. C'est toujours ce fameux chien avec cette fameuse niche, toujours pareil, avec cette gabelle à nourriture et cette baballe là. Et ce chien qui est toujours un peu mou du genou quand il court, hein. C'est un peu bizarre, là, le système quand il court, c'est mal. Pas très joli. Il manque vraiment quelque chose sur le chien. Le chien, il aurait vraiment dû être refait aussi. Refait. Même si le chien il sert pas à grand chose, hein. Non, il sert pas à grand chose ce chien, à part juste à décorer, hein. Sinon il sert pas à grand chose, donc c'est juste un petit décor, il vous suit un petit peu, mais une fois que vous montez dans le tracteur il vous suit plus, donc il n'y a pas grand chose le chien. À l'arrière on voit les bibiches, notamment les deux bibiches, là on voit voilà, qu'on peut jouer avec lui avec la baballe. On voit les moutons, et les moutons aussi, ils sont magnifiques, hein. Regardez comme ils sont magnifiques, comme ils ont bien été refaits. Regardez la laine du mouton, le poil du mouton, la tête. Franchement, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien fait. Et on a notamment une clôture spéciale mouton, hein. Clôture spéciale mouton. Ici, on voit donc les abeilles. Les abeilles, c'est des spleens, hein. C'est donc des petits trucs, des petits spleens qui volent. Les plis-spleens, c'est des petites, un petit truc tout plat là qui vole. On voit pas bien. Hein. C'est quand on sera devant, on les verra juste voler comme ça, mais ça s'arrête là. Et je vous l'avais dit hein, dans les précédentes vidéos quand je vous avais montré les tenues qu'on pouvait avoir dans Farming Simulator, bah, on avait notamment cette tenue d'apiculteur. Et là, on voit vraiment que cette tenue d'apiculteur va servir à quelque chose parce que c'est quand on va être au niveau des ruches. Alors, je sais pas ce qu'on va faire aux ruches.
Parce que là, on voit qu'il est à côté. Parce que pour moi, pour l'instant, on avait déjà plusieurs fois les ruches dans Farming. Et les ruches, ça nous générait un peu un petit revenu. Fallait payer la ruche, la placer, mais ça nous générait un revenu. Mais il n'y avait rien à faire. Et là, il nous montre pas grand-chose. Alors je me demande si on va avoir des palettes de miel qui vont se placer sur le côté, comme pour les serres. Normalement oui, parce qu'on va pouvoir, il me semble, dans les chaînes de production, on va pouvoir mettre du miel pour faire des céréales, un truc comme ça. Donc normalement, on va pouvoir créer des palettes de production de miel. Donc peut-être qu'on va devoir faire quelque chose avec les ruches, à voir. Pour l'instant, il ne nous montre pas ce qu'il va faire avec les ruches. Ce qu'il y a à faire avec les ruches, pardon. Et là, on voit les poules. Donc les poules, bon, il y a un petit... Le plumage, il est un peu bizarre, mais c'est pas mal non plus. Il y a le coq là à l'arrière ici. Là, on voit, regardez, 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 regardez. On voit la poule qui court. Ici, on la voit aussi. Là, hop, elle court. Et puis ça, c'est nouveauté. Une belle nouveauté même. C'est fini les cartons d'œufs. Fini les cartons d'œufs tout bizarres là qu'on pouvait prendre à la main et tout ça. Fini les cartons d'œufs. Là, on voit vraiment les alvéoles avec les œufs dedans. Et les œufs qui ont différentes couleurs, comme en vrai. Hein, regardez, ils sont un peu bruns, bruns, d'autres un peu beige, un peu d'autres un peu blanc, etc. C'est vraiment, vraiment bien fait. Les alvéoles d'œufs ont été vraiment bien faites. Et on voit notamment qu'il va falloir les transporter avec un tire-palette. Et donc un tire-palette. Et ce tire-palette, ben, il va falloir l'acheter. Et avant, on pouvait, avec les cartons d'œufs, les prendre comme ça dans la main. Mais là, j'ai pas l'impression qu'on va avoir le cas. On va pas avoir non plus le cas du FS13. Le FS13, on avait les œufs, il fallait les récolter comme ça. On passait sur les œufs, on les prenait, on pouvait aller les ramener au magasin. Là, après, il y a eu les cartons d'œufs. Et puis maintenant, bah, on a ces palettes avec les alvéoles d'œufs, pardon. Mais je pense que ça va se générer automatiquement également. Ces palettes avec les œufs, ça va être généré automatiquement avec alvéole par alvéole. Pour la simple raison, c'est que je pense pas qu'ils nous ont fait le petit retour sur FS13 où on récoltait les œufs et on allait les placer dans. Et que là, on va les placer dans les palettes. Je pense pas. M'étonnerait, ça serait une tâche supplémentaire, mais je crois pas. Mais ça serait bien. Et puis là, on voit donc notre fameux poulailler. Bon, il est pas très grand, hein. Honnêtement, je vous dis tout de suite. On aura très très hâte, très très hâte d'avoir la communauté de modeurs. Donc on aura très très hâte d'avoir les modeurs qui vont nous créer leur propre bâtiment avec pour les animaux. Parce que je me vois pas jouer X temps avec un bâtiment, avec un poulailler comme ça ou avec une étable comme on vous a montré avant. L'étable avec le robot, c'est très très joli. Mais la porcherie et la première étable toute petite là, bon. Je me vois mal jouer très très longtemps avec ce genre d'établissement-là, de genre de bâtiment-là. Ici, on voit que, bah, toujours, on peut se balader à cheval, notamment à côté de jolis décors, de jolies ruines, et notamment dans la forêt où on rencontre donc des biches qui sont assez réactives et qui seront comme des corbeaux qui vont partir en courant au moment. Bon, les corbeaux ils partent pas en courant, les corbeaux ils partent en volant. Mais les biches, elles partiront en courant lorsqu'on s'y approche. Ici, donc, on voit un genre de silo. Le corbeau qui se balade. Et puis, ce spleen au sol qui, pour moi, est pas très très joli. C'est bien détaillé. Ça, c'est sûr, c'est bien détaillé. C'est très très bien détaillé. Mais je trouve que c'est une texture, encore une fois, effet feuille, plat, qui n'a pas de parallax occlusion mapping là-dessus. Et que je trouve pas très joli. Pas très très joli. Non. Là, oh là là, c'est passé très très vite, mais là on voit une vache brune, donc ça pourrait être une. Ouais, c'est un peu clair quand même pour une. J'aurais dit que c'était une limousine, mais pour moi ça paraît un peu clair pour une limousine. Là, on voit le cochon très très détaillé. Le mouton qui est vraiment magnifique. Regardez comme c'est joli. On voit bien la laine là. Oh là là, c'est magnifique. Non, c'est vraiment joli. Le mouton, il est vraiment bien fait. Vraiment, vraiment bien détaillé. Les vaches aussi, hein, bien sûr. Le cheval, il n'y a pas grand changement, j'ai l'impression. Le cheval, il était très très joli déjà dans le 19. Il n'y a pas grand changement. Par contre, la biche, elle manque de modélisation un peu. Je trouve qu'elle est un peu trop hexagonale, carrée sur la tête. Il manque un peu de décor.
Mais bon, c'est pas fait pour voir de près parce que la biche elle s'enfuira dès qu'on s'approche, donc elle est pas fait vraiment pour être vue de près. Et puis voilà, on y arrive. Et on nous dit comme quoi bah, c'est commandable. Et puis bien sûr que le Season Pass d'un an qui inclura donc 3 packs plus une expansion. Hein, donc c'est ce qu'ils nous montrent là. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'ils nous ont montré. Et là, on voit donc on va voir quelques photos encore avant de se quitter. On va voir quelques photos encore de ces fameux animaux. Donc, notamment une clôture avec un fil. Donc, est-ce que c'est un fil électrique? Je sais pas, mais c'est la clôture ici pour les chevaux. Donc là, on voit un cheval qui est carrément dans son enclos, qui est en train de se balader tranquillement dans son enclos. On le voit qu'il est très très joli, hein, qui est bien détaillé, bien modélisé. On voit ici sa crinière qui est très très bien détaillée. Et on voit à l'arrière donc un Kingston, je crois, un truc comme ça. On voit justement un transport pour les chevaux. Une grosse remorque même, hein, c'est pas la petite remorque qu'on avait, c'est vraiment la grande remorque. Et on voit un beau pick-up, un joli pick-up. J'ai même l'impression qu'il a changé le pick-up, qu'il est un peu plus grand. Très très joli. Ici, on voit ce fameux mouton. Voilà, ce mouton qui est vraiment, 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 vraiment bien modélisé au niveau des yeux, au niveau de la bouche, au niveau du nez, au niveau des pattes. Regardez comme c'est bien détaillé la laine. On voit vraiment que c'est la belle laine et tout. Vraiment bien fait. La fameuse clôture pour les moutons qui est très très bien aussi. Hein. Ils ont fait un effort sur les clôtures. Hein. C'est que c'est pas tous. Ils n'ont pas tous les mêmes clôtures. Hein. Les moutons, ils ont leur clôture à eux. Les chevaux, ils ont leur clôture à eux, etc. etc. Donc c'est vraiment pas mal. La petite bergerie. Bon, pour moi, elle est basique. Hein. Elle mérite donc vraiment un coup des modeurs qui vont nous ajouter des belles bergeries. Ça, j'attends vraiment la communauté des modeurs d'avoir une belle bergerie. Et puis, on voit que là, on est sur la map alpine, j'ai l'impression, parce qu'avec les Alpes qui sont à l'arrière, là, les belles montagnes à l'arrière. Donc, on est sur la map Helm Creek. Ici, on voit donc les ruches, donc un peu de toutes les couleurs. C'est un peu le type de ruche qu'on avait dans FS 13. 15, je sais pas. Le 15, je crois que c'était une simple ruche. Et le 19, c'était une simple ruche aussi. C'était une simple maisonnette. Là, maintenant, c'est vraiment les ruches là qu'on connaissait déjà. Un peu le type de ruche russe. Un peu le type russe. Avec les différentes couleurs. Et on voit la tenue d'apiculteur ici. Et une petite abeille qui se balade là. Et puis la jolie texture de l'herbe encore une fois et un sol pleureur. Et oui, parce que là on est sans doute sur la map française et en France il y a énormément de sol pleureurs. Donc on a un nouveau type d'arbre, c'est les sol pleureurs. Ils sont très très jolis. Ici on se retrouve de nouveau sur la map alpine où on voit bien le télésiège à l'arrière là qui monte. Le beau décor, pas mal de sapins un peu partout. Là on voit une route, on voit une voiture ici. Et notamment en premier détail on voit ici la vache, et oui, une jolie vache, une jolie grise. Une jolie vache grise, alors je pourrais pas vous dire la race que c'est. Derrière, c'est une Primolstein. Ici, c'est encore une étable différente. J'ai l'impression que c'est une autre étable. Un peu différente, celle-là. Et on voit notamment qu'elles sont couchées. Et oui, ça, c'est un petit plus. C'est qu'elles sont couchées maintenant, qu'elles peuvent se coucher. Et on voit qu'elles sont bien, 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 bien détaillées. Elles ont l'air un peu plus fines qu'avant, parce qu'avant, elles étaient vraiment massives. Mais là, elles sont bien détaillées. Hein. Regardez les petits poils au niveau de la bouche, la petite crinière ici, les cornes qui sont bien faites, les poils au niveau des oreilles, les poils, les cils au niveau des yeux. Vraiment, c'est vraiment beau. Bien fait les animaux, c'est vraiment bien fait les animaux. Là, on le voit aussi avec ce poulailler et ces fameuses poules là qui sont ici. Regardez comme elle est bien faite, la plus poule rousse, la poule blanche, la poule noire. Regardez, poule noire, elle a même une crinière brune, brun noir comme ça. C'est vraiment, les plumes, regardez, vraiment joli. Ouais. C'est vraiment bien fait. Ça a vraiment bien été fait. Aussi leur grillage à eux. Hein. Ils ont aussi leur propre grillage à eux, leur propre clôture, les poules. Donc ça, c'est très très joli. Là, on le voit aussi encore une fois. Voilà, regardez, la belle crinière bien détaillée, tout ça, c'est très très joli. Encore une vache. Ça, c'est la Primolstein. Voilà, regardez, avec les dents, wow, c'est joli. C'est vraiment, vraiment bien fait, les mamelles, au niveau des mamelles. Vraiment bien fait. Là, on est sur la map alpine aussi. Là, on a encore un autre type de vache, parce que là, on a
brune, brun clair comme ça. Là, on a des primolstein, on a des grises, et là, on a un genre de brun gris comme ça, brun blanc. C'est encore un autre type de vache. Donc, on a vraiment pas mal de types de vaches. Vraiment beaucoup de types de vaches. Est-ce que on va avoir les races à viande et les races à lait? Je sais pas. Ça reste à voir. Ils nous ont pas dit, ils nous ont pas parlé de ça. Ça serait vraiment bien qu'on ait les races à viande et les races à lait comme on avait dans le mode saison. Et vu que maintenant ils ont le mode saison dans farming, ça serait vraiment bien qu'on ait les deux types de vaches distinctes. Donc là, on a une belle étable avant qu'on. Un genre d'étable comme ça là. On a le chien, on a le chien. Bon, le chien il a pas changé. Hein. Le chien il est pas mal, il est assez joli, mais j'ai pas l'impression qu'ils y ont touché parce que les poils, regardez, c'est pas. Ils auraient pu retaper ça parce que les poils, on voit bien les poils sur les cochons, on voit les poils sur les moutons, on voit les poils sur les vaches et tout ça, mais les plumes des poules, les poils des chevaux, mais le chien, bah, on voit pas les poils. Donc ça c'est un peu dommage, c'est qu'ils n'ont pas touché au chien, ils l'ont laissé tel quel, ils l'ont remis tel quel. C'est un petit peu dommage, je trouve. La biche, ben ouais, bon. Pour moi, comme je vous ai dit, hein, elle n'est pas très détaillée. Il manque un peu de détails dessus, mais c'est fait aussi pour pas être vu de près. Donc de loin, c'est très très joli, mais de près, c'est bof. Regardez de près, c'est bof. De loin, c'est bien. C'est déjà un peu. Voilà. Bon, la texture du bois ici, elle est un peu. La texture du bois ici, je trouve pas très ça joli. Je trouve ça un peu flou. Un peu flouté là. Mais sinon, le Parallax Occlusion Mapping, il fait bien son boulot parce que regardez les cailloux comme ils ressortent bien ici sur la terre. Ça, c'est vraiment bien fait ça. Là, on voit le cochon. Ah oui, les cochons. Et notamment le cochon qui s'assoit pour se coucher. Ici, le cochon qui est couché. Et notamment le cochon qui se salit aussi. On voit bien les plumes, les poils, pardon, ici. Et puis le cochon qui se salit parce qu'on voit bien qu'il est sale, hein, qu'il commence à se salir ici. Ça, c'est des taches brunes qu'il a spécialement. Mais ça, c'est une salissure, un peu de la saleté, la poussière, comme ça, la boue. Là, on voit bien les traces de cochon dans le sol. C'est vraiment bien fait. Ça a vraiment bien été fait, ça. Là, on voit bien encore une fois. On voit même les mamelles. Donc, ça, c'est pas mal. Donc là, on voit aussi qu'il y a différents types de porcheries, hein, parce que là, on voit qu'il y a un autre type de porcherie par rapport à celui-là qu'on a vu tout au début. Là, on voit les chevaux. Donc les chevaux aussi, on voit bien les détails. Hein, on voit les veines des chevaux carrément. Regardez, on voit carrément les veines des chevaux. Ça sans doute par rapport à l'endurance qu'ils ont. Hein, on verra peut-être plus ils ont de l'endurance, plus on verra les veines dessus, je pense. En tout cas, c'est pas mal. On voit toujours qu'elles sont dans leur. Qui peuvent être dans leur enclos et qu'on peut sortir leur enclos. Par contre, on voit pas s'il faut toujours les nourrir avec les mêmes ingrédients, l'avoine, l'eau. Donc ça, on sait pas. Les moutons, la bergerie, donc là, toujours pareil. Et voilà. Donc on s'arrête là. Voilà, donc on a vu toutes les photos. Oui, on a vu toutes les photos, on a vu toutes les news. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à laisser un pouce pour me dire si, pour me dire si vous avez bien aimé cette vidéo tout simplement. Tout simplement. Et puis surtout j'ai hâte d'y jouer comme vous avez hâte d'y jouer le 22 novembre, c'est-à-dire dans un mois, parce que là, au jour où je tourne la vidéo, c'est le 22 octobre. Donc, dans un mois, on va avoir le fameux Farming Simulator. Pardon. Le fameux Farming Simulator qui va arriver. Et une autre petite news, ça a été dévoilé sur Twitter, celle-ci. C'est différentes tailles de balles qu'on va pouvoir avoir également. Ces différentes tailles de balles. On voit petite, moyenne et grande taille de balles qu'on va avoir dans Farming Simulator également. Les balles, elles ont un petit peu plus changé de graphisme, mais c'est pas encore ça. C'est pas encore top du top. Mais je trouve qu'elles sont déjà un peu mieux que ce qu'elles étaient. Mais on aura différentes tailles aussi de balles. Donc ça peut être pas mal aussi. C'est ce qu'on avait déjà aussi avec certains modes de presse à balles. On avait différentes tailles de balles. On est déjà au courant de la presse à balles de petits rectangles, de petits carrés, de petites balles carrées.
et bien sûr la grande balle carrée. Et maintenant, on sait aussi qu'on devra avoir des petites balles rondes, moyennes ou grandes balles rondes. Voilà. Pour ce, j'espère donc que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour vous abonner. Et puis, j'espère qu'on se reverra très très vite pour d'autres belles news avant la sortie du jeu dans un mois. Sur ce, à la prochaine et ciao tout le monde.